Pariez Gagnant, émission de sport et du pari sportif. Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission de sport et de paris sportif. Salut Benoît, salut Damien. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Alors au programme de cette émission, plein de questions, on en avait parlé la semaine dernière et un peu la semaine d'avant. Mais le Paris Saint-Germain, qu'est-ce que vous pouvez parier sur cette équipe? On en reparle, on pensait que c'était un épiphénomène. Mais le malaise sportif est réel et s'est installé dans la durée, on en parle dans quelques instants. Autre question, les paris d'avril et de mai, c'est dur de trouver des paris, paraît-il. Tu arrêtes Benoît avec ta sonnerie là. Tu l'enlèves, tu la coupes. Pardon ? Eh, oui. Il y a quelqu'un qui bip, c'est qui ? Pas moi. C'est pas moi. Ah la vache. Ok. Eh, bon. Franchement ? Non, mais il y a une petite sonnerie que j'ai entendue là. Mais... Qui c'est qui a pas coupé son Facebook là ? Bon, c'est pas grave. Alors, autre question, les paris d'avril et mai, c'est dur de trouver des paris. Paraît-il, c'était un constat que faisait Damien lorsqu'on préparait cette émission, alors à tort ou à raison. Période difficile pour les parieurs ou pas, on en discutera et puis peut-être que Ben aura une solution pour parier à tous ces problèmes. Et puis côté hand, nous poursuivrons le fil rouge avec la LFH, la Ligue Féminine de Handball, avec les matchs retour en approche, avec Brest qui reçoit Nice ce 5 mai. Et côté suivi, on fera aussi le petit tour de la Ligue 1 et de la Ligue 2 dans la bonne humeur, la décontraction et la joie de vivre. Surtout si tu es guingampé en ce moment, tu en as besoin et compte sur nous pour ne pas te remonter le moral. Ça y est, ça commence. Deux minutes d'émission et il enfonce les guingampés. Je ne m'associe pas à ces dires. M'en fous de Guingamp. Voilà. Tu t'en fais moi-même. Moi je supporte, ils sont en Bretagne, je supporte. Bah vas-y, lance. C'est parti, go. On commence. Allez, on débute avec le Paris Saint-Germain. Désormais spécialiste avéré et reconnu de la remontada dans le mauvais sens, Rennes puis Montpellier. L'équipe va finir la saison sans Thiago Silva, va peut-être finir sans Mbappé, qui sera peut-être suspendu, tout comme Neymar, qui pourrait risquer de 2 à 10 matchs. Alors, petite précision à ce propos, c'est en ce moment même, au moment où nous enregistrons cette émission, que la commission de discipline de la 3F va trancher. Donc, ça risque d'être un peu plus strict que la LFP en général, c'est souvent le cas. Tout ça, ça peut avoir une incidence sur la fin de saison. Votre avis en tant que parieur, qu'est-ce qu'on fait du PSG dans une situation comme celle-ci? Si on regarde ne serait-ce que le prochain match, comment ils se démerdent les bookmakers pour sortir des côtes? On en a parlé là, ouais. Il faut être attentif. Alors tu m'as dit, donc on enregistre là, normalement la décision doit être donnée dans l'après-midi. C'est dans le courant de l'après-midi, de ce jeudi après-midi. Donc voilà, forcément quand t'es parieur, tu attends de savoir si... c'est sûr, si t'as Mbappé et Neymar absents contre Nice ce week-end, tu là j'ai vu la cote, elle est à 1,20, aller sur Nice plus 2, plus 3... Mais elle va remonter. Forcément. Donc il faut être le premier à avoir l'info. D'accord. Si t'as l'info, tout de suite, bam, et après, bien sûr, elle va monter. C'est forcément. Ce sera le sujet aussi d'après, là. Forcément, les cotes vont remonter quand tu vas avoir l'info que Mbappé et Neymar sont suspendus. Parce que qui pour marquer les putes? Va revenir, j'en sais rien. Di Maria peut-être. La force de frappe sera beaucoup plus faible que s'ils étaient là. Et c'est ce type d'info que j'adore. Enfin, c'est ça, c'est. Ça c'est du caviar, ça c'est voilà. Et les bookmakers, ils sont pas tous comme ça en train de regarder. De toute façon, le bookmaker, c'est les gens qui vont faire Le bookmaker, il va avoir l'info, il va pas remonter la cote de 1,20 à 1,60. Non. C'est petit à petit aussi quand les gens ils vont commencer à parier dessus. Lorsqu'on verra en pointe du Paris Saint-Germain Choupo-Motin. Quelle arnaque. Si Choupo-Motin il est là, ça veut dire que les autres sont pas là. Donc forcément t'as une info. Ça on est bien d'accord. Non mais lui il est défenseur central pour l'équipe adverse, non, c'est ça. En fait, c'est avec Kimpembe. Ils sont défenseurs centraux. Kimpembe, Choupo-Moutin. Ouais, c'est ça. Écoute, PSG, là, il y a forcément des choses à faire. Regarde, Montpellier les a battus. Nantes les a battus. Lille les a battus. Rennes, la remontade. Et quand je vous expliquerai tout à l'heure, vous verrez que sur ces quatre équipes-là, il y avait eu des chutes de cotes. Peut-être pas pour Montpellier, mais pour les deux autres. Et des belles chutes de cotes. Strasbourg a fait match nul. Strasbourg était coté, pour les bookmakers à l'étranger, à 20, et à l'ouverture du match, la cote est descendue à 8, 7. Voilà, tu prends un plus 1, plus 2, enfin voilà, il y a des choses à faire. Mais c'est intéressant comme ça qu'il y a plein de choses qui se passent dans un club, parce que ça peut faire varier les cotes, exactement comme si tu étais en bourse où on te dit il y a une guerre qui va éclater, je sais pas où, et ça fait tout chuter. Dès que tu as une info comme ça, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Bon, là, j'ai pris un truc un peu extrême. Mais tu sais très bien qu'il y a la guerre, les actions des vendeurs d'armes, ça monte.
C'est comme ça, c'est pas moi qui fais ça. C'est, voilà. Ouais, c'est peut-être mieux de faire ça sur du sport, en fait. Ouais, c'est mieux. Pour ça que j'ai arrêté la bourse. Enfin, en tout cas, mes propres. Moi, je n'ai pas le temps de façon, d'analyser les choses en bourse. Ouais. Donc, je laissais tomber. Donc voilà, pour répondre à ta question, PSG. Ouais, ça m'amène à une autre question. Est-ce qu'on pourrait tenter finalement de réagir avec Paris, justement, avec des paris en live, c'est-à-dire non. Des paris en direct. Parce que moi, je me disais, mais en regardant j'étais à deux doigts de craquer pendant la finale de la Coupe de France pour Rennes, quoi. À un moment donné, le 2-1, au moins nul, quoi. Je sais pas. C'est tellement fragile, Paris, que tu te dis, est-ce que tu peux anticiper des choses du point de vue du score avec tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain? Tu paries en live, toi? Non, le pari en live, pour moi, c'est la pire. C'est une... bah, ça dépend. En tennis, ça peut être pas mal en courant de jeu et de la façon dont tu vois. Des fois, tu sais que tu as des joueurs qui ont gagné le premier set et qui perdent le deuxième, ils sentent qu'ils sont un peu moins bien. Ils lâchent le deuxième set pour revenir chez les hommes, pas chez les femmes, parce que chez les femmes, c'est trop indécis. Là, peut-être, ça vaut le coup de parier en live. Au handball, non. J'ai voulu faire une fois ou deux. Je sais pas si toi, t'as essayé de faire pour le BBH. Non. Non. Et le foot, jamais, parce qu'il se passe tellement de choses dans le foot que tu peux avoir un hors-jeu qui... Qui te disait que... Que Brest allait en prendre 5 contre Valenciennes. Voilà, non, par exemple, non, mais... le but... Kimpembe marquerait Kimpembe, deux matchs de suite, début de suite contre son camp. À la 80e minute, je crois que ça faisait 2-2, non, c'est ça, non? Et que contre Montpellier... Et puis l'erreur de Paredes. Et puis l'erreur, voilà. Donc, alors, but qui ne serait a priori pas valable, je ne sais plus pour quelle raison, mais j'ai vu des choses. Moi, je dis que le live, je l'ai déjà utilisé pour faire des couvertures, des arbitrages sur des paris qui sont bien partis. Et voilà, donc ça, c'est par exemple, tu prends une équipe, j'ai une bêtise, une cote à 2, elle gagne 2-0. Ouais. Sa cote, je viens de bêtise, descend à 10, parce que j'ai pas calculé la proportion. Donc l'autre, forcément, elle monte à 6, 7, 8. Et si tu prends la double chance de l'autre côté, bah, là, ça vaut le coup de mettre un petit billet. C'est pour sauver tes fesses, quoi. Ouais, ouais, bah non, parce que le pari est bien parti. Ouais. Et puis t'as pas envie qu'il se passe comme le gars qui a parié sur PSG gagne 2-0. Le gars il dit ouais, chouette, on fait la fête. 2-2 à la fin du temps réglementaire. Ça vaut des fois de mettre le coup une petite pièce de l'autre côté pour récupérer au moins ta mise si jamais il se passe un coup de Trafalgar. Et on peut en parler. Hein. À chaque fois, je vous le ressors. J'ai le Milan Liverpool, je te le ressens celui-là tout le temps pour t'expliquer. Mais il y en a d'autres comme PSG Rennes, voilà. Ouais. C'est pas Légion et c'est pas tout le temps. Mais quand vous avez l'expérience, quand vous avez déjà vécu et subi des choses comme ça. Bon, voilà. Évite. Vous faites attention. Ça sent le vécu pour le Milan-Liverpool. Le Milan-Liverpool. Non. J'avais pas. Ça remonte. C'est quand déjà ça? 2004. Oh la vache, je sais même plus qu'est-ce qui. Non, je crois pas. J'avais pas de truc dessus, je crois pas. En tout cas, dites-nous en commentaire si ça vous arrive de réajuster vos paris en live ou au contraire, si vous faites que ça. J'imagine qu'il y a des spécialistes du live. Oui, il y en a. J'en vois avec leur téléphone au moment du BBH qui sont avec ça et qui parient. Mais alors, il faudra m'expliquer quand tu as une famille, comment tu fais pour faire du live. Bon, bref. Ouais, ouais. Mais je pense que le cas typique du gars qui fait du live, il ne doit pas être très vieux. Il ne doit pas avoir de famille à lui. Et peut-être une copine qui ne sont pas dans la même ville, pas souvent. Bon, voilà, j'imagine que c'est un petit peu ça le profil du pari en live. Il y a un mot que tu n'oses pas prononcer. C'est pas ta cible en fait. Non, mais moi le live, de toute façon, j'ai toujours dit, ça marche tellement par émotion et les bookmakers le savent très très bien que voilà, c'est la vache à lait des bookmakers le live. Le cash out aussi. Dès que t'es... Oui, ça on pourra. C'est la même chose. On a déjà parlé du cash out. Non, on a dit un petit peu. On pourra. Il vous baisse bien la gueule. Si je peux me permettre. Oh, bah dis donc. Non, mais il est énervé là. Bah dis donc. Non, mais je suis détendu. T'as dit un gros mot. Voilà, j'ai fini ma première feuille. Je suis détendu. Tu sais que ça fait du bruit. Et je vais l'oublier, on m'avait dit de le placer, je le place maintenant. Bravo Bastia pour la montée. Parce que je me fais attaquer par les Corses. On va les surveiller parce qu'il y aura forcément. Ouais. Bastia, ils perdent quasiment jamais à la maison. Je vous dis ça, je vous dis. Donc là, c'est quoi? Ils montent en quoi? En national? Ils montent en. Ouais. Oui. Oh, mais il y aura pour le Carnot Bastia l'année prochaine. Pour les francophones de l'étranger, voilà, je vous dis ça, je vous dis rien. Bastia à la maison, c'est très très costaud.
On continue avec la deuxième question. Est-ce que la fin de saison rime forcément avec choix de paris? Plus difficile, quand on préparait donc cette émission, bah, Damien nous disait que c'était la merde, t'avais pas de paris pour cette semaine. Non, non, c'est pas ça. En gros, je te balance. Hein. Oui. Je suis pas très sympa. Mais non. Sur ce coup-là, voilà. Hein, je dis ce qui se passe dans les arrières-coulisses. Exactement, tu peux le dire. Ouais, moi je trouve que. Non, c'est pas qu'elle est. Que c'est plus difficile de choisir ses paris. C'est que, en fait, t'as déjà sur une journée de. Peu importe le championnat, que ce soit Ligue 1, machin, t'as plein d'équipes qui n'ont rien à jouer. Et du coup, bah, ça te réduit. En Argel, oui. Ouais, en Argel, ouais. Surtout. Bah oui, mais ça reste quand même au franco. En francophone en France. Français de France. Donc, ouais, donc. tout ça fait que. Bah, tu peux pas les jouer. Puis les matchs sont indécis. C'est pareil. Même je trouve que pour tous les matchs de fin de saison en fait où t'as plein d'équipes quand il y en a joué, ça te réduit forcément le nombre de paris que t'as à faire. Si on revient par exemple avec le PSG, ça t'enlève un pari en plus, des trucs comme ça. Pour moi en tout cas, la période d'avril, je trouve que c'est la partie compliquée. Cheval. Avril, mai, oui. Pardon. Là, on n'est plus à cheval. On sera à cheval. oui. On est le 2. Ouais. On sera le 3 demain. Ouais. Non, mais je comprends ce que Damien veut dire, parce que de toute façon, ça se voit. Il suffit de regarder. Ben, moi, par exemple, tous les ans, tu regardes les mois où tu joues le plus, où tu fais, où ta bankroll tourne, en fait, ton turnover, et les mois où elle tourne moins. Elle tourne moins en été. Elle tourne plus, on va dire, de octobre à mars. Ouais. Comme ça, c'est véridique. Hein. Voilà, tu peux passer de plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros de turnover quasiment divisé par deux l'été. Ouais. Tu vois, donc, quand on n'a pas de grande compétition, attention, quand on n'a pas de Coupe du Monde, quand on n'a pas. Ouais, mais même une Coupe du Monde, comme j'ai toujours dit, il faut faire gaffe. Bon, oui. Après, moi, bonjour. Dès qu'il y a. Il y aura toujours de l'athlétisme ou des choses comme ça, il y a du tennis aussi l'été. Mais c'est vrai, et puis ça se comprend. Il y a un petit Tour de France aussi. Oui. Non, mais c'est par rapport à la multitude de paris. De sports. Tu sais très bien que la majorité des sports finissent en juin, à peu près. Ouais. Fin mai, début juin. Donc après, forcément, tu as plein de choses et puis quand t'es boommaker, chez les boommakers, tu les vois sur les chiffres. Hein. Le nombre d'argent qui est joué. Bon là, j'ai pas un tableau avec un graphique, mais tu vois très bien, il y a à partir du mois d'avril, bam, ça, il y a un creux comme ça, hop, ça fait voilà, comme ça. C'est comme ça. Ouais. Et là, t'es fait comme ça. Là. On sent ma stite, là, qui a envie de prendre sa petite creux. Il me manque un Véleda et un tableau blanc. Et je pense que personne ne dira le contraire. Ouais. Et vous qui écoutez, je pense que vous jouez aussi moins l'été. Et puis, d'ailleurs, c'est bien de faire aussi une pause l'été pour. On coupe tout. Voilà, d'ailleurs, sans citer les tipsters, quand tu regardes souvent les tipsters à ce moment-là, eh ben, si tu fais certainement une moyenne par rapport aux autres mois. Tu verras que pendant ces mois-là, les tipsters ont des résultats un peu moins bons. Je ne sais pas si Benoît a le même avis que moi sur ça, mais en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que durant ces mois-là, les tipsters ont des résultats un peu moins bons qu'ils sont. Ça dépend des sports. Si oui, c'est du cyclisme, avec le Tour de France, bon voilà. Mais après, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais de toute façon, voilà, comme je dis, et puis il y en a qui tirent leur épingle du jeu l'été parce que tu as des petits trucs de niche là. Des petits sports de niche, petites compétitions de niche aussi. Et... Genre quoi, le championnat du monde de hockey sur gazon en moins de 23 ans Non, mais je pas. La Belgique est championne du monde de hockey sur gazon, si je ne me trompe pas. Oula, j'ai pas l'info, j'en sais rien, parce qu'elle m'aurait pas servi, celle-là. Faut que je fasse le tri quand même. Voilà, donc, et puis cet été, on en avait dit, il y a pas mal de choses. Coupe du Monde, femmes, oui, Copa, est-ce que Neymar va la jouer, on sait pas. Qu'est-ce que j'ai dit encore? La CAN. Ah oui, parce qu'il y a grosse polémique au Brésil sur le coup de tatane, la bafounette. Ouais, enfin. Non, mais tu te rends compte qu'il y a polémique au Brésil, quoi. Ils sont exaspérés au Brésil des farces de Neymar. Non, mais tu te rends compte que le mec, il a porté plainte contre. Pierre Ménès, quand même. Il y a une stratégie derrière. Et là, on avait changé de sujet, mais pour rester ce que vous étiez en train de dire là sur PSG tout à l'heure, j'ai oublié. Tout le monde va pleurer si le Qatar se désengage de Paris, parce que si les droits télé arrivent à 1 milliard,
tous les clubs vont en profiter. Et là, vous allez voir tous les supporters qui crachent sur Paris et tout. Ouais. Je suis pas pro Paris ou contre Paris. J'aime Paris, Marseille. Voilà, j'aime bien les clubs français quand ils sont en Coupe d'Europe. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et tout le monde va chialer à ce moment-là. Et pourquoi il y a des rumeurs de désengagement? Ouais, il y a plein d'articles qui sortent parce que les Qataris sont blasés. Exaspérés. On les remercie jamais et tout. Ben, ils ont fait venir Neymar, il y a Mbappé. Si le droit de télé en France augmente à un milliard. Je te dis, non, mais c'est grâce à c'est... Je vois là, je te dis ça. Ah ouais, ok, mais il va falloir que je creuse le sujet. Ils sont partis voir à Rome s'il n'y avait pas moyen d'acheter l'équipe, machin et tout. Ils vont se barrer de France et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc non, c'est facile de cracher et de critiquer le PSG. Je pense qu'ils ont pensé que le PSG allait arriver plus vite à gagner avec des champions avec les joueurs qu'ils ont achetés. Manque de pot, ça prend du temps. On dit ça à Manchester City, c'est l'exemple le plus. Il ne s'est pas encore gagné. Là, tu t'es fait sortir en. Contrairement, je ne sais pas, je vais peut-être dire une grosse connerie, mais peut-être que pour les fans de City, je vais dire un truc horrible. Mais le PSG, quand même, avait un supplément d'âme par rapport à City. Enfin, je veux dire, au niveau historique, au niveau histoire. Bien sûr. Peut-être que je vais faire contredire. Le club est plus jeune, mais oui. Et ça compte aussi. Ça compte aussi. Mais on a dévié. Je voulais juste, revenir là-dessus. Et j'espère qu'ils ne vont pas se barrer, sinon on va tous pleurer. Ouais. Et Brest le premier, quand ils seront en Ligue 1. Ouais, mais ce sera peut-être pas l'année prochaine. Mais... Non, c'est vrai, là, j'anticipe un peu. Donc en conclusion, je suis d'accord avec toi. C'est forcément, tu as moins de paris dans des mois un peu plus creux comme ça. Donc moins d'opportunités à jouer. Personne ne pourrait dire le contraire. Moins d'opportunités, donc plus de tentations de faire des conneries. Jouez pas pour jouer. Voilà, quand les gens disent ouais, je veux jouer. Non, il y a des fois, jouez pas. Voilà, si vous trouvez rien à jouer, jouez pas. C'est pas un tort de plutôt que d'aller placer son argent des trucs où vous vous sentez pas trop mais que vous voulez quand même jouer. Donc attendez. En fait, je dis toujours que quand tu as fait une bonne année de Paris entre septembre et mai ou juin, va pas perdre tout en juillet, en août, en fait. Ouais. C'est idiot. Donc pars en vacances, profite de ce que tu as gagné, ou alors profite pas et puis tu le capitalises pour le septembre d'après pour augmenter tes mises. Voilà. Mais faites très très attention à ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet. Et je peux comprendre que voilà, ils trouvent un peu moins de paris à faire. Après, en fin de saison, il y a des opportunités de value aussi qui peuvent être intéressantes. En France, c'est pas possible à l'étranger quand tu as des équipes qui jouent pas grand chose. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure sur un pari de rugby que j'ai repéré. On clôt le sujet ? Ouais. Allez. On enchaîne avec notre fil rouge, les demi-finales du championnat de France. On parle de hand féminin. Alors, où est-ce qu'on en est ? Si je me trompe pas, on est aux demi-finales. La phase allée est passée. Ouais. Donc, il y a eu les premiers matchs, notamment à l'extérieur, pour le BBH, pour le Brest-Bretagne Handball. Alors, prochain rendez-vous le 5 mai ? Ouais, donc dimanche. Je suis pas là. T'es pas là ? J'ai 40 ans d'un pote. Ah, je croyais que c'était toi qui avais 40 ans. Bah, j'ai eu aussi, mais je n'ai pas encore refêté. Mais oui, vas-y, Dem. C'était le petit instant ma vie. Le mec, ouais, non, je suis pas là, mais vas-y, Damien, démerde-toi. Je serai sur Paris, pour le Parisien. Ouais. Donc, ouais, une victoire. On est pas à la fin de l'émission. L'instant closer. Ouais, ouais. Allez. On va arrêter ça. Donc Brest est allé s'imposer à Nice. Première fois depuis. C'était notre bête noire. Ouais, première fois depuis qu'on est monté en LFH. Alors d'un point. On les a battus, ouais, d'un point. J'ai pas. C'est 26-25 ou 27-26 ou un truc comme ça. Ou un truc comme ça, voilà. Enfin, 26-27. Ouais, un truc comme ça. Donc c'est pas arrivé depuis. Depuis qu'on était arrivé. Il y a un match retour. Tiens, d'ailleurs, je vais en parler parce que les cotes pour ce match-là ne sont pas sorties. Mais même pour le match aller, ça a été n'importe quoi. Les bookmakers se sont craqués. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait ? Ils avaient super fort. Ouais, voilà, ils avaient sorti Nice à 4,60, je crois. On avait du plus 4,5 Nice pour les francophones de l'étranger, ouais. À 80, 85, qui était. Ouais, on l'a pris tout de suite. Hein. Très bon. Dès que c'est sorti, forcément. D'ailleurs, on s'est envoyé des messages tout de suite. Parce que tu pars du principe qu'ils les ont jamais battus. Ouais. Donc on te donne un avantage de 4,5 buts à Nice. Tu prends, quoi. Même si Nice est fatigué, mais tu prends. Et puis, il y a eu un peu d'écart. Donc. Voilà. Donc voilà. Là, Nice vient à la maison. J'ai une info. Ouais, vas-y, balance. J'ai une info. Dire Quigno, tout ça, tous les experts en handball, je pense que celle-là, il ne l'avait pas. Nice vient en minibus. Alors, moi qui habite Brest, pour déjà être allé à Nice en bagnole, je peux vous dire, c'est loin. Tu vas venir en minibus de Nice.
Je sais pas dans quel état Nice va arriver, mais à mon avis, t'es un petit peu plus crevé que quand tu prends l'avion, en fait. Tu vois, voilà. Au niveau fatigue et tout. Voilà, de toute façon, je pense que la côte de Brest, elle sera un 15, un 20. Enfin, on sera vraiment gros favori. Bon, voilà, on n'est pas là pour analyser pour l'instant le match, mais bon, ça vaut pas non plus un 10, un 15, un 20. Non, non, de toute façon, on surveillera les handicaps encore. Oui, voilà, il y aura forcément un handicap. Et puis, à partir de là, regardez dans les commentaires et on vous dira... quoi, c'est ça. Dans les quoi commentaires jouer. sur YouTube ou ouais, sur les deux. Si vous le trouvez pas sur Facebook, jetez un coup d'œil sur d'ailleurs si tu le vois sortir avant moi, enfin de toute façon on se dit nous quand on voit le truc sortir. Ouais, ouais. Mais parce que là je pense qu'on peut avoir vu que Nice plus 4,5 c'était à Nice. On peut avoir un Nice plus peut-être 6,5. Non, ça fait beaucoup quand même. 6,5. 5,5 ce serait super. Oui. 5,5 serait très bon. Ça serait très bien. Ouais. Ça serait très très bon. Bon, voilà. Donc, on vous en parlera. Voilà. En tout cas, le match est loin d'être gagné pour le BBH. Ouais, attention. Ouais. Alors, comment ça se passe niveau... Il y avait un petit débat sur la question de la gardienne. Elle est comment, du coup, la remplaçante de Darleux? Mais non, mais elle n'est pas là. Iden. Ah, tu veux dire Iden? Ah oui. Oui. Bah, en fait, quand elle est motivée, ça le fait bien. Voilà. C'est toujours pareil. C'est ça. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais elle est déjà transférée. Ouais, oui, elle est déjà transférée. Non, là, je pense que. Elle va se donner pour moi. Là, elle va se donner, ouais, ouais, voilà. Ouais. Et en tout cas, si ça va pas en première mi-temps, elle sera remplacée tout de suite par Kinyou. Bon, Kinyou, on peut en dire ce qu'on veut, mais. Elle fait ses matchs. Elle fait ses matchs, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle est jeune en plus, voilà. À 18 ans. Pour moi, en fait, ce qu'il faudra faire, c'est être agressif en défense. On sait faire. Ce qu'on sait faire. Pas tout le temps. C'est vrai, des fois, on est un peu laxiste. Ouais, être agressif en défense, mettre du rythme à donf en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Faut faire le trou pour mettre un peu un coup derrière la tête. C'est ça. Et puis, en espérant que Anna Gross nous claque ses 6 buts par match et que Pop Lazy Tutti en demi-centre fasse le boulot et voilà. Mais ça va être un match difficile à mon avis qui se décidera à la moitié de la deuxième mi-temps pour moi. On fait une petite pause sur le hand féminin. Allez, go. On aborde peut-être vite fait l'autre demi-finale. L'autre demi-finale, t'as pas grand-chose à dire. Je sais même plus combien ça fait d'écart entre 2-3 buts. Enfin, c'est pas énorme. Mais bon, allez, on va mettre ça à la maison. D'ailleurs, c'est quand? Parce que c'est le 11 mai. C'est ce week-end Non, c'est le week-end d'après le Final Four. Oui, le Final Four, c'est le week-end d'après. Pardon. Donc c'est bon. Elles vont jouer à fond, là. Elles vont jouer samedi, là. Et puis après, elles auront une semaine pour récupérer. Elles vont se préparer. Et puis après, voilà. Mais il n'y aura pas value sur du match, un 0-3 ou 0-4. Non, ça ne vaudra pas le coup de le très bien. Et ben dans ces cas-là, on regarde vite fait ce qu'il y a sur la Ligue 1 et la Ligue 2. Si vous avez vu des choses. T'avais quelque chose, toi, Dame, je crois. Ouais, moi, j'ai vu quelque chose. Mais vas-y, tu voulais peut-être. Ah non, moi, je vous écoute. On va pas faire tout à chaque fois. Puis en plus, là, on est comment au niveau du timing, Mathis? Donne-moi la réponse. Ah bah tiens, elle est pour toi celle-là. Hop. Allez, moi ce que j'ai, je me suis arrêté sur l'Olympique Lyonnais face à Lille parce que je pense que les bookmakers se sont bien craqués là-dessus. Ah ouais, parce que quand tu vois la cote que je l'ai pas noté ici évidemment. Allez, quand tu vois que l'Olympique Lyonnais gagne à 1,67, le nul à 3,60 et que Lille gagne à 4,40. Honnêtement, je trouve que la cote de Lille est très très haute. Donc intéressante. Oui, donc intéressante. Ça veut dire que si tu fais un match nul remboursé, ta cote elle est à 2,85 pour Lille. Pour moi, c'est value à donf. Pour moi, c'est value. Alors, Benoît. Il va me sortir que non, mais il gagne je suis toujours. Pas d'accord. Non, mais... il n'est pas d'accord. Mais après, c'est je. Alors, est-ce que la place de deuxième de Lille est acquise déjà? Non. Bah, oui. Non, parce que si bah, Lyon gagne, voilà. Lyon fait toujours des bons matchs contre les grosses c'est équipes. C'est ce que je lui ai dit. Ça, c'est voilà. Vrai. C'est non, mais ça. C'est vrai. De toute façon, j'allais en parler parce que c'est d'accord. Vrai. Mais Lille fait tout est costaud défensivement et je pense qu'il va y avoir un surplus. Plus de motivation. De motivation sûr, sur ce match-là. Les deux. Ouais, ça, c'est pas très. Enfin, ça c'est pas le genre de truc que tu prends en compte, Ben, dans ton analyse. Bah, la motivation des équipes. Si, bien sûr. Bah, là, mais là, elles ont, tu sais qu'elles vont se donner à fond les deux. Ah ouais. Des fois, t'en as une qui peut venir en claquette. Quoi. Ouais, mais pour faire du foot, Dieu sait si c'est compliqué. Mais manque de bol, je trouve que les cadres lyonnais sont pas au niveau où ils devraient être fait. Je sais pas où il est d'ailleurs.
il est un peu dedans. Voilà, voilà. Après. De toute façon, Genieso, c'est bon, c'est plié. Ouais, voilà. Oui. Memphis, il te fait un bon match sur deux. Dembélé. Bah, tu me le présentes comme ça, c'est clair que là, c'est match nul remboursé sur Lille, quoi. Oui, moi, je m'oriente sur ça. Honnêtement, je vais le jouer parce que je trouve que la cote est hyper value. Pour moi, en tout cas. Côté absent, d'ailleurs, Marcel et Raphaël pour Lyon, et Soumaro et Xeka pour Lille. Et par contre, sinon, ou si tu fais ça, il y a aussi le handicap qui est plus sympa, qu'on a vu avec Ben tout à l'heure. Lille plus 1 à 1,70. C'est peut-être aussi plus safe que le match nul remboursé, parce que je pense pas qu'il y aura un grand écart entre les deux équipes. Ça peut jouer sur 1-0, 2-1, mais ça sera pas un 2-3-0 et tout. Je sais pas ce que t'en penses, mais faut préciser le handicap. On parle bien de handicap asiatique. Ah oui, pardon. Le oui. Plus simple, pour ce qu'on vous parle, 1,70, s'il y a un but d'écart, votre mise est remboursée. Donc vous, si vous allez sur les points .fr, il va encore nous... j'ai essayé de regarder, j'ai pas compris. Il y aura le nul compris dedans, donc vous faites pas avoir. Nous, c'est une cote à 1,70, donc... sur .fr, la cote qui va correspondre à ce qu'on vous donne, là, je ne suis pas allé voir, mais elle va tourner autour d'un 60, un 65. Donc si vous voyez une cote à 2, 2,5 ou 1,20, c'est pas le même pari que nous. Donc voilà. Vu que nous, on ne prend pas le match nul en compte. Donc continue, je vais essayer de trouver, par exemple, sur Unibet, un truc comme ça, les gens, je vais leur dire à quoi ça correspond. D'accord, bon, en tout cas, Metz, Lille à domicile, à l'extérieur, c'est 31 points, 23 buts marqués, 17 encaissés. Lyon à la maison, c'est 36 points, 32 buts marqués et 17 encaissés. Donc, il marque beaucoup. Donc voilà. Moi, franchement, je crois en la dynamique de Lille. Ah, c'est fou. C'est ça qui me fait aller vers là. Après, voilà. Pour moi, c'est valu. Vous en pensez ce que vous voulez. Mais moi, je vais m'orienter là-dessus. Pas forcément sur le match nul remboursé. Parce que, voilà. Moi, j'ai l'avantage de pouvoir jouer Lille 1 plus 7. Donc, je joue ça. Mais voilà, Lille remboursé est intéressant aussi à jouer. Vas-y, qu'est-ce que une réaction, un commentaire. Non, il est en train de regarder les trucs. Ça me fait. Là, je vois sur unibet.fr, Lille ne perd pas ou perd de 1. Alors là, s'ils perdent de 1, vous gagnez le pari. Alors que nous, on est remboursé. Mais la cote, elle est à 1,37. Donc, si tu veux. C'est un truc de fou, quand même. Les différences entre les points com, les points fr. Bref, ça m'épate toujours, en fait. Match que je. On peut évoquer un autre match si on vas-y, a terminé vas-y, sur. Avec à peu près des codes du même ordre. Moi, c'est le Guingamp-Caen. J'ai envie de t'entendre sur le Guingamp-Caen. Alors là, c'est un match. C'est un match que tu peux même pas t'imaginer. Lucado revient pour Guingamp. Ça va leur apporter un petit surplus. Mais voilà. Moi, je touche pas à ce match-là. Ah non, ouais. Mais moi non plus. Alors là, je suis pas capable de te dire. C'est le match que tu peux te dire. Il peut se passer. Plein de choses. Déjà qu'en foot, c'est compliqué. Ça peut partir en cacahuète. Déjà, oui, parce que Combi, ça dit. La vache, là. Parce que depuis la boulette l'affaire. De DPA. Ouais, à mon avis, il va y avoir le climat va pas être très bon quand. Ah oui, la petite poignée de main d'avant-match, elle va être. Je sais pas, quand les présidents vont. Ça s'est regardé, ça. Je sais pas s'ils vont se mettre l'un à côté de l'autre pour regarder le match. Par contre, Guingamp doit gagner. Ah oui, c'est clair. C'est pas parce qu'ils doivent gagner qu'ils vont le faire. Mais Guingamp doit gagner. Pour l'instant, Caen s'en sort avec une place de barragiste, si je ne me trompe pas. Ça m'arrange pas parce que moi, je les avais joués. Pour l'instant, ils sont barragistes. Il y a un Caen 3 en barrage. Caen n'est pas sûr de passer. Hein, parce que, c'est ça, mais c'est vrai. Mine de rien, le troisième en Ligue 2 cette année. Il sera costaud. Il a 71 points, le troisième à 3 journées. Il sera costaud. Bah il y a 3, il y a Samassa dans les buts. Il te fait une saison de fou. Bref, donc. D'ailleurs, en Ligue 2, Brest a déjà plus de points que l'année où il est monté. Il y a 10 ans. Donc tu te dis que. C'est fou. C'est fou. Sur la Ligue 1, on a vite fait parler du PSG Nice. 1-17. Victoire du PSG. 1-17. T'as Saint-Etienne qui peut aller faire un coup à Monaco aussi. Hein. Ils sont capables aussi. Mais après, voilà, c'est. C'est juste comme ça. Mais sachant que Monaco a joué un match en retard. Ils ont joué là.
Ouais. Et Rennes, pareil. Hein. Rennes-Monaco, j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont dû se dire oh, c'est bon, Monaco contre Rennes, les mecs sont encore bourrés de leur victoire de du week-end. Ils ont fait un gros match, Rennes. Mais oui. Bon, après, voilà, ils ont un peu flanché à la fin, mais bon. Après. Ils sont en Coupe d'Europe, ils s'en foutent. Mais voilà, parce que là, ils peuvent lâcher. Ils ont plus rien à jouer, là. Ils attendent la fin maintenant. Un petit mot de Ligue 2 avant de passer à vos pronos ou pas? On s'arrête. Alors, merci Pierre-Yves. J'ai pu avoir mes places pour le dernier match de Brest parce que j'étais sur le site closer numéro 2. Je raconte ma vie. Ah ouais. J'étais sur le site de Brest pour avoir des places et j'étais en file d'attente. Ça passait pas. Et toi, tu me dis ouais, je viens d'avoir mes places. Je me dis quand t'as fait comment le site de la FNAC. Je vais sur le site de la FNAC. Et voilà. J'ai eu mes places. Nickel. Donc je serai pour le dernier match contre Niort. J'espère qu'on. Nous y serons. Tous les trois. Tout le monde. Nous y serons, ouais, évidemment. Et je vous avais bien dit que 3 allait faire un résultat et qu'il n'y aurait pas. Hein, ah, mais c'est bien, il y a toujours un peu de suspense. Tu nous dis quoi pour ce week-end? On fête la montée de Brest direct ce week-end ou quoi? Non, mais j'espère pas, moi, en fait. J'espère qu'on l'a fête. Bah non, j'espère que tu l'as fête avec une victoire contre Niort, tu vois. T'imagines, c'est un coup à se retrouver à un point. Et aller à Metz. Putain, non, pas ça, quoi. Ouais, mais comme ça, il y aurait de la tension pour contre Niort. Ah non, mais là, il faut prévoir les défibrillateurs par nombre au stade Francis Leblé. Ouais, ouais. Lui, il va. Après, bah, 15 000 parce qu'on va faire le plein. Hein, donc... Ouais, lui, il va arriver, il aura ses antidépresseurs dans la poche. Ah, mais il n'y a pas de panier. On se retrouve comme ça, il n'y a pas de panier gagnant jusqu'à. Moi, je ne fuis plus. Hein. je suis en arrêt, là. Allez, les pronos ou pas les pronos, Allez, les pronos, allez. Hop. Vas-y, bah, moi, je t'ai donné le mien, ça y est. Et bah voilà, c'est fait. Bon, bah, merci beaucoup. On écoute Benoît quand même. Ouais. Alors, oui, je tiens juste à revenir pour la semaine dernière. J'avais dit que les Saris, je pensais qu'elle allait faire tourner, donc j'avais pris les Wasps à 2,30. Et j'étais pas le seul à le penser parce que les Wasps sont descendus à des cotes à l'équilibre, 1,90, 1,90. Et dès que j'ai vu la compo des Saris qui avait mis la grosse team, bah, tout de suite j'ai pris du Sarazen sans face, 1,90. Voilà, comme ça j'ai pas perdu d'argent et j'en ai même gagné un tout petit peu. Non, sur ce coup-là, non, j'ai dû faire l'équilibre. Voilà, et les gens me disaient ouais, la cote des Wasps est montée à 2,80, on la prend. Bah non, en fait, ça veut dire que de l'autre côté, ils avaient mis la grosse team. Et après, quand j'ai regardé pourquoi ils avaient mis la grosse team, en fait, c'était pour moi celle-là. C'est parce qu'en fait, ils ont décidé de mettre la grosse team pour gagner au Wasp et pour après s'en fiche du match qu'ils vont avoir. Et donc, je vais en parler contre Exeter. Ce week-end, d'accord. Donc j'ai repéré deux choses, j'ai repéré Sarazen, Exeter, pareil, c'était. Alors vous allez dire, voilà, c'est les deux plus grosses équipes en ce moment en Angleterre. Sarazen son deuxième, Exeter est son premier. Mais à la différence que la semaine prochaine, Sarazen joue sa finale de coupe d'Europe. Ouais. Donc là, pour moi, s'ils mettent pas les juniors, honnêtement là, s'ils mettent pas les juniors, je comprends pas. D'accord. Et Exeter en face, ça va être une victoire de prestige. Voilà, pour moi, ils vont mettre une équipe correcte qui tient la route. Donc la value est du côté d'Exeter. Ça, c'est le premier match. Bon, bien sûr, hein, si je vois que Sarazen se remet de la même équipe que. Mais là, je pourrais mettre ma main à couper qui feront pas ça et qui vont faire vraiment beaucoup tourner. Qu'on ne revoit pas revenir avec un bandage la semaine prochaine. Je serai tout seul. La semaine prochaine, je vous le dis. Ah, j'ai pas fini. Il y en a un qui sera avec l'antidépresseur et l'autre qui sera avec un brin de moi. J'ai pas fini. Et vous avez un Harlequins Leicester. Voilà, donc Harlequin se bat pour aller en playoff. Ils sont 5e, 51 points. Northampton, 51 points. Et derrière, il y a Sale, 48 points. Et là, ils reçoivent Leicester qui est sauvé. Voilà, et en plus, ils ont fait une saison toute pourrie, Leicester. Donc Harlequin, pour moi, même si la cote n'est pas folichonne, à 1,20, vous pouvez prendre en handicap moins 3, moins 4, quelque chose comme ça. Je les vois vraiment battre cette équipe de Leicester pour pouvoir espérer toujours aller en playoff parce qu'il restera encore un match derrière. Donc voilà, là c'est le match à pas perdre pour les Harlequins, ils vont tout donner, je vous dis Leicester qui recevra la semaine prochaine, je pense qu'ils essaieront de bien finir plutôt à domicile que d'essayer d'aller faire un résultat qui ne leur servira à rien en fin de saison. Voilà, ça c'était mes deux analyses rugby. Très bien. Voilà, c'est terminé? Ouais, Dams c'est... Ah non, okay, non, c'est, ouais, c'est bien. Même c'est... pas bon. Ah quoi? Personne se lance sur un Béziers-Brest? Non. Oh là là, bah vas-y, toi tu vois quoi? Non. Si, vas-y, on attend ton analyse. Vas-y. Mais j'ai pas fait d'analyse. Ben non, cherche là, vas-y, on attend. Vas-y.
Qu'est-ce que tu veux? Gros vénère. Mais oui, tu nous es. Tiens, prends ta boule de papier. Allez, merde, c'est ma fin d'émission. Moi, je le veux plus. On termine cette émission. On va rendre les studios. Ça commence à appartenir à Cacahuète, comme d'habitude. Je le veux plus à côté de moi, c'est fini. Il est pas sortable. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci aux commentaires. On répond. Ouais, la semaine dernière. Voilà, il y en a qui nous disent, ouais, on attend l'émission toutes les semaines. Bon, c'est gentil. Sauf que là, cette semaine, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de blabla. Ah oui, bah voilà. Peut-être. Ouais, voilà. Et on va peut-être essayer de mettre aussi, comme quelqu'un nous le demandait, à 10 minutes, on va parler de foot, à 12 minutes, on va parler d'Andes, parce qu'il y en a certains sujets. Il n'y a que certains sujets qui les intéressent. Donc, ce que je peux comprendre, même si moi, ça me semble intéressant tout. Ah oui, mec. Heureusement qu'il dit ça. Et voilà, donc. Et dernière info, c'est du live, même si c'est enregistré. Closer numéro 3. Et... Le Nice est à plus 5,5. Il vient de sortir. Ah! Voilà. Okay. Donc, résume pour les gens qui écoutent que la fin. Il faudra remonter l'émission un peu. C'est pas sympa. Non, mais c'est à dire que plus 5,5 peut être intéressant en handicap pour Nice. Parce qu'on les voit pas. Asiatique. Oui, on les voit pas se prendre. Bah oui, parce qu'en France, t'as pas le droit de jouer sur l'handicap pour handball. Merci l'Argel. C'est du 1,85. Mais ça peut être intéressant. J'aurais préféré qu'elle vienne en avion. Elle vienne en bus. Ouais. Bon, voilà, faut voir quand elles arrivent exactement. Mais. Voilà, ça vient de sortir. Brest, ils ont mis un indice. Oui. J'irai pas prendre Brest à l'indice, on est d'accord. Moi, je vais prendre le handicap à 1,85, je vous le dis tout de suite. Plus 5,5, comme ça, faut que j'aille vraiment voir s'il y a des blessés du dernier match, Nice et tout, mais ça me paraît le truc à faire. Ouais. Très bien. Bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Peut-être Benoît avec un bras en moins. Moi, peut-être sous antidépresseurs. Et puis voilà. Puis bon week-end de Paris à tous. Ouais. Allez. Allez, bon Paris à tous. Salut. Au revoir à tous. Bye bye. Ciao. Paris gagnant, émission de sport et du Paris sportif.